taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing in that song. Bon matin tout le monde! Il est vraiment plus le matin. Mais fallait quand même juste bon matin. Et je me suis lavé le visage, et puis je me suis mis full assainie. Je sais pas. Si. Il y avait comme un bouton, puis j'ai comme enlevé un peu mon visage, en vrai. En tout cas, fait que là, on est dimanche. Puis qu'est-ce qui s'est passé ce matin, Anthony? Je sais pas. Anthony, supposément qu'il s'est réveillé, puis qu'il m'attendait que je me réveille. Ok. Puis là, après, il est comme, viens à côté sur moi. Puis là, il s'est rendormi. Puis on s'est rendormi. Puis on s'est couché à quelle heure? Max, une heure, non? Non, peut-être 2 heures. Ah ouais, 2 heures. Ok. Ben, on a quand même beaucoup dormi parce qu'on s'est réveillé à 1 heure. Non, il est à 40. Non, mais on était réveillés, là, on est resté dans le lit. Là, j'ai ouais, Anthony s'est rendormi. Il est comme, c'était long avant que tu te réveilles, fait que là, il se rendort. Fait que là, on est resté dans le lit jusqu'à comme 1h40. Puis Anthony a dit, aujourd'hui, c'est la journée carénée, Anthony. C'est ça que t'as dit, Anthony? Mm-hmm. Il a dit qu'on devait faire plein de choses ensemble, puis qu'on passait la journée ensemble. Fait que là, Anthony a dit, on va... Ça te demande-tu de manger des crêpes? Puis là, en fin de compte, il a décidé de faire des pancakes. Fait que là, c'est la même chose, c'est juste l'épaisseur. C'est pas pareil, des pancakes, c'est juste épais. C'est l'épaisseur qui mange. Ouais, mais ça, c'est ouais. Pas pareil. Fait que... Les pancakes, c'est quoi? C'est épais. Ouais, je sais, c'est juste l'épaisseur qui change. Ouais, c'est différent. Les pancakes, c'est meilleur. Si tu le dis. Mais là, il a déjà fait le mélange avec mon mélangeur. Il faut laisser reposer. Ouais, il faut laisser reposer, puis il va faire ça bientôt. Comme on mange ça tard. Mais on va manger ça avec des fraises. Ça va être bon. Puis moi, dans le fond, j'étais en train... Parce que vous savez, hier, si vous avez écouté mon vlog d'hier, si vous n'avez pas écouté, allez l'écouter. Parce qu'on a transformé la pièce en Anthony. Là, t'as filmé ça. Oui, on l'a filmé l'avant-après. Les 62. Oui, les 62 verres. Ben, verre, canette, verre, style du resto, là. Les 62, c'est mon... 62, que ma mère a compté. 62. Anthony, porcherie, n'est plus. Fait que, il y a encore son bureau en haut, puis les petits trucs que nous, on savait pas quoi toucher. Fait que... Mais quand on joue, il faut boire. Ouais, quand il joue, il faut qu'il boive, mais il ramène jamais rien. Fait que là, je suis en train de remplir le lave-vaisselle parce qu'il y a full de verre. Fait que je suis en train de remplir le lave-vaisselle. Puis là, on voulait aller acheter des... Parce que ce soir, on va manger. C'est quoi qu'on mange déjà? Des brochettes de poulet? Ouais, tu vas faire des brochettes de poulet dans le barbecue. Faut que tu les gèles, le poulet? Il est déjà en train de se faire. Ah, ok. Des brochettes de poulet sur le barbecue avec... On peut faire des brochettes de porc, c'est comme tu veux. Non, de poulet. Je suis en train de déceler les deux. Ok, c'est ça, ouais. Il dégèle du poulet puis du porc parce que dans le fond, on va manger des brochettes de poulet sur le barbecue avec des patates grecques. Puis je me suis dit, ça serait bon avec une salade. Pas une salade, c'est ça, là. C'est une salade quand on y fait, en tout cas. C'est bon. Mais il me manque des légumes, fait qu'on va aller acheter. Bon, on va aller à comme fruiterie, là, tantôt. Fait qu'on va acheter des fruits puis des légumes. Puis, j'allais dire, ah, puis c'est parce qu'on voulait à la base manger une mijoteuse aujourd'hui, mais là, Anthony, ça ne tentait pas de se lever. Ben, il fallait déjeuner la viande, il fallait qu'il se lève tôt pour la partir. Puis c'est bon, la mijoteuse, comme le plus de temps possible. Fait qu'à la place, il va la préparer ce soir, la mijoteuse. La préparation de la mijoteuse, c'est au moins 1 heure, quasiment. Ouais, la préparation de la mijoteuse, ça prend 1 heure. Fait que. Il va la préparer ce soir pour demain. Parce que je cuis la viande 45 minutes au four avant ouais. De la mijoter. C'est ça, je pense pas que vous avez entendu, mais il cuit la viande 45 minutes au four avant de la mettre dans la mijoteuse. Ok, je sais qu'il y en a plusieurs qui nous ont demandé aussi. Faudrait faire une vidéo de recettes à la mijoteuse. On n'en connaît pas beaucoup. Non, mais ce que tu fais, c'est tellement bon. En tout cas, fait que il va préparer la mijoteuse ce soir, mais il va la partir demain matin quand que je vais partir travailler. Fait que ça va être prêt comme. J'allais dire quand je reviens de travailler, mais non, je finis à minuit. Ça va être prêt le soir comme pour souper. Fait que c'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est ça. On va aller faire des petites courses. Là, j'avais le pamphlet du Bulk Barn, puis j'ai un coupon de 3$. Là, on est comme, on va être au Bulk Barn aussi. Je sais pas. On verra. On verra. Vous pouvez pas dire que ça a pas l'air bon. Et oui, tout ça à quelle heure? 2h50. Fait que ça ressemble plus à des crêpes, là. Juste un petit peu plus épais. C'est la recette de... Des pancakes.
Des pancakes. Des crêpes, des pancakes. Ouais. Des pancakes, par définition, c'est des crêpes et crêpes. C'est la recette de qui déjà, Ricardo? Que t'as trouvé? Oui, je sais. Regardez ça avec les fraises, ça va être bon. Puis j'ai monté, oui, dans une tasse de Noël. Ricardo qui a inventé les pancakes. Non, je sais. C'est l'été. Confiture de bleuet. Je l'aime beaucoup pour déjeuner. Mais déjeuner tard. Donc, on revient de faire une petite épicerie. Fait que je vais vous montrer ce qu'on a acheté. C'est tout des trucs comme. Qui manquaient. Ouais, grignoté et complété. Fait qu'on a acheté des tomates italiennes pour faire de la salade à Anthony ce soir. Avec tomates concombres qu'on mettait dans la salade. Et on a acheté des olives vertes farcies, là, juste comme en vrac, là, comme ça, pour grignoter. Cette sauce-là, c'est une sauce spaghetti comme à la viande, là, faite genre maison là-bas. Dans le fond, l'été, c'est comme une. Comme un marché, genre fruiterie et tout ça. Puis, elle était 7,99$. Puis, elle avait l'air vraiment bonne. Puis, quand on rentrait, ça sentait genre full bon. Puis, on pense que c'est ça que ça sentait. Fait qu'on a acheté ça. Fait que le temps qu'à faire, les paquets ils étaient 1$. Fait qu'on a acheté un paquet de rigatoni puis un paquet de penne. Ouf, j'ai soufflé. On a acheté du houmous. Donc, on a pris. Il était 2 pour 7, là, les paquets Fontaine Santé. Puis on a pris le ail rôti, c'est le préféré d'Anthony. Puis celui-là aussi, on l'aimait, c'était poivron rouge rôti. Donc on l'a pris lui aussi. Une laitue iceberg pour faire la salade. 10 kiwis, il était 10 pour 1,99. Fait que ça, c'était à la jour de fruiterie. Le reste, c'est au IGA. Fait qu'on a acheté des tostitos. Anthony, il aime manger des tostitos avec le hummus. Mousse, en tout cas. Moi, je les mange, oui, avec ça, mais sinon avec des carottes. Fait que j'ai acheté 2 petits paquets de carottes. Des petites carottes, j'aime beaucoup ça. On a acheté un fromage parce qu'il était en spécial à 5$. On a acheté 2 paquets d'épices à taco parce qu'on a du porc haché. Puis le porc haché, c'est pas super bon, mais avec ça, ça va comme donner plus de goût. Le goût de base du porc haché, c'est pas la même chose que le bien haché. Ouais. Bœuf haché. Fait qu'on a acheté ça pour dépanner. Moi, j'aime mieux poulet épicé. Anthony, c'est bœuf. Fait que 2 paquets de chaque. Des haricots noirs. Anthony, quand il fait ça avec du riz, c'est super bon. Sauf que là, il manque son épice. Fait que c'est ça. Puis ça ici, c'est pour le gâteau que moi et Anthony, on veut faire. On le faire là, en fait. C'est le gâteau Coffee Crisp. Donc, ça prend un gâteau pécan au beurre, 2 trucs de Coffee Crisp, puis la Cool Whip. Donc là, dans le four, j'ai allumé la petite lumière. On a mis les patates grecques. Oh, il est sale dans le four. On a mis les patates grecques. On vient de finir. Le gâteau est en train de se refroidir avec le golden, avec les trucs pour qu'il s'absorbe. Ouais. Puis après, c'est la Cool Whip. Puis. Les olives. Oui, ils sont bonnes, non, les olives. Moi, je peux faire les autres sortes d'olives, mais elles sont. Mais moi, j'aime pas ça avec les noyaux, c'est pour ça. Ok. C'est Karine, elle goûte ça. Ça ressemble aux olives en pot, mais c'est un peu meilleur. C'est meilleur. Mais moi, j'aime mieux les olives avec les pépins, les brunes. Ouais, en tout cas, on grignote ça. Fait après, dans le fond, le gâteau, il faut mettre les Coffee Crisp aussi. Puis, on va les finir, ok? Il y a 3 saucisses, il y en a 3 chaque. Ok. J'ai vidé. Tu peux jeter? Hein? Oh non, tu peux jeter. On a vidé, j'ai vidé la vaisselle. Fait que, oh, puis ça, c'est le poulet Anthony. Ok. Le poulet, tu le fais quand? Tu le fais dans le four ou. Non. Sur la poêle. Au barbecue, miam, ça va être bon. En fin de compte, on fait pas des brochettes, ça va être juste des poitrines de poulet. Ouais. Quand on prend des patates, ça prend quasiment 1 heure. Ça prend ouais. 15 minutes. Ouais. Bon, fait que depuis tantôt, en fait, moi puis Anthony, on a écouté peut-être 3. Mes mains sont propres. Ouais. Parce qu'il est en train de faire la salade. Il disait que ses mains étaient propres. Fait que là, il est en train de faire sa salade, qui est vraiment très très bonne. Les patates. Goûte-là, elle est parfaite. Là, j'écoute, mais après. Ah, c'est salade, là. Ouais. Mais là, avec mon doigt. Ouais, grave, mon doigt, je suis pas débile. Je t'ai montré c'était quoi le secret, hein? C'est vraiment bon. Ok. On le fait comme sa vinaigrette, puis. Ben, c'est pas compliqué, là. C'est de l'huile d'olive. L'huile d'olive, du sel, du jus de citron, puis de l'origan. Ouais. C'est vraiment bon. Ok, là, le poulet, là, il est là-dedans, regardez.
le poulet. Oh my god, ça va être bon. Puis il reste, dans le fond, demain, il va faire une autre salade. Ouais. Mais je vais le montrer dans mon assiette. Le poulet barbecue, donc on n'est pas trop obligé. Ouais. Puis il va faire une mayonnaise à l'ail pour les patates grecques parce que moi, j'aime vraiment ça. C'est pas une mayonnaise spéciale? Non, à l'ail. Puis là, pendant qu'on faisait ça, on a écouté comme 3 épisodes. Tu fais mayonnaise? Ouais. N'importe. N'importe. Oh. Fait que on a. Ben, on a fait le gâteau, on a écouté trois émissions plus la pause de Walking Dead. On est pendant la troisième. Ouais, dans la troisième. Là, j'ai vidé la vaisselle, reparti. Reparti. Ça, ben, le gâteau, il va être prêt au dessert. Ouais, il va être prêt au dessert. Ça va être parfait. J'ai reparti un autre lave-vaisselle, mais j'ai lavé la vaisselle, lavé le lavabo. Il faudrait qu'on commence à utiliser les deux frigidaires, il y a trop de choses en haut. Ouais, c'est vrai. Fait que... On a déjà mangé tous les muffins en vrai? Non, il y en a en bas, je pense. Ah. Fait que... Oui, t'en avais descendu en bas. Fait que c'est pas mal ça. Là, je veux juste laver ça, j'avais oublié de le laver hier. Puis, c'est ça. Parce que là, la reste de la vaisselle, je peux comme pas le... pas nettoyer parce qu'il y a des trucs dedans. Mais au moins, il y aura pas d'autres vaisselles à faire après. Fait que je suis bien contente. C'est toi, frère, tu l'as. Là, il en reste plus beaucoup? Non. Ok. J'ai acheté à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais après, moi, je vais encore cuisiner, fait que... Ouais. Ouais, Anthony va recuisiner tantôt, c'est pour ça qu'il parlait. Il va préparer la bouse de demain. Ok, poitrine de poulet. Grillé barbecue. Ah, ça va être bon. Ouais, sur le barbecue. Patate grecque, ça c'est la mayonnaise à l'ail qui est vraiment bonne. Et la salade d'Anthony. Oh, ça va être bon. Regardez ça! Les gâteaux Coffee Crisp! C'est-tu un de tes gâteaux préférés? Oui! Je peux le manger. On est prêt à manger.